Eh bien, bonjour, chers amis. Voilà, cinquième jour, petit bilan. J'ai commencé donc ce défi des 100 jours. Des 100 jours, pardon. Il y a 5 jours. Et en fait, donc mon thème des 100 jours, c'est de vivre pleinement ma spiritualité. Et au moment où j'ai commencé, j'étais plutôt dans le. Là, je pense, hein, oui, il faut que je fasse ceci, il faut que je fasse cela, ça se passera comme ci, ça se passera comme ça. Donc, bonne contrôlante, un peu perfectionniste. Et puis, depuis que j'ai commencé le défi, en fait, je m'amuse. Je m'amuse parce que ce genre de travail à marquer ce qu'on ressent, tout ça et tout, je l'ai plus ou moins fait un peu toute ma vie, mais là, je le fais différemment. C'est-à-dire, je l'ai fait consciemment, en me disant, déjà, je suis pas toute seule, on est bien. Tous à vivre un peu les mêmes choses. Et puis, du coup, de m'amuser, ça m'a fait percuter sur un désir profond, vraiment un beau désir, c'est de retrouver mon enfant intérieur, car il a tout pour être heureux. Et ce petit enfant intérieur que j'avais déjà recontacté, hein, parce que pas mal de travail en amont. Et bien là, je crois que je commence un petit peu à le connecter de façon freedom, de façon no inquiétude, tout est parfait et en fait, amuse-toi. Amuse-toi, Manu, profite de la vie, tout est parfait, tout vient à point qui sait attendre. Voilà, et puis de travailler mon chamanisme. Alors bon, je le fais à ma sauce, c'est-à-dire petit à petit, sans chercher tout de suite la grande transcendance, hein, puisque de toute façon les visions et tout ça j'ai déjà eu et que là c'est juste repartir un petit peu sur une pureté un petit peu plus alignée de moi, c'est-à-dire partir d'en bas plutôt que de partir d'en haut directement, parce que là, ici, c'est très bien connecté, mais là, en bas, c'est pas encore tout à fait relié. Alors, j'aimerais bien me mettre les pieds nus pour me recontacter mes racines à la terre, mais enfin, ça caille un peu, en plus, il pleut. Alors. Bon, je m'octroie de... Voilà. Donc, très heureuse de faire ce petit défi, et puis, pour l'instant, j'ai pas eu de contact sur la plateforme du défi des 100 jours, j'ai posté 2-3 trucs, il n'y a rien. Bon, faut attendre, hein, faut être patient dans la vie, c'est comme ça. Tout n'est qu'un miroir. Tiens, je me regarde, la pire regarde. Je te fais des gros sourires, Manu. Allez, je vous embrasse tous. Bisous, bisous.